bien. Je voulais dire que ce match, les éléphants nous ont vraiment déçus. C'est la déception. Pour avoir perdu ce match en tant que pays organisateur, on espérait gagner. Malheureusement, le Nigeria a pris le dessus. Ils étaient plus forts que les éléphants. Dommage pour nous. Nous, c'est l'espoir que nous avons d'attendre notre prochain match pour espérer gagner. Mais pour aujourd'hui, c'est la déception. Ce public était prêt à vibrer, à espérer des éléphants qui reviennent au score. Mais notre équipe nationale aujourd'hui, c'est la déception. Ils nous ont vraiment déçus. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Nous espérons pour la suite. On espère que le prochain match, on va gagner. Le Nigeria était plus fort. Bravo au Nigeria. Il faut être fair play dans tout. Merci bien. Bon, vraiment, c'est la déception, hein, comme le voisin l'a dit. On attendait une équipe des éléphants battre le Nigeria, mais ça n'a pas été le cas. C'est vraiment décevant. On a vu un jeu, vraiment, on n'a pas reconnu nos éléphants. Pas de rythme, l'intensité zéro. Nos attaquants aussi, incapables de passer leur vis-à-vis. Vraiment, c'est dommage pour l'équipe. Mais en bon Ivoirien, on a foi pour la dernière journée. Chez nous, on dit découragement n'est pas Ivoirien. Mais ça devient compliqué pour nous parce que la dernière journée sera vraiment difficile. Et on a espoir que nos éléphants puissent relever le défi. Merci. Merci. Bonsoir à toute l'Afrique. Vraiment, ce que les Ivoiriens nous ont servi aujourd'hui là. Ce que les Ivoiriens nous ont servi aujourd'hui là. Vraiment, on n'est pas rassurés pour la suite. On sait, nous savons que les éléphants peuvent plus faire. Ils peuvent plus donner. Ils ont plus à offrir. Donc vraiment, les Ivoiriens, si vous voyez cette vidéo, sachez que nous, les Ivoiriens, on attend beaucoup de vous. Parce que jusque là, le premier match, le deuxième match, c'est un peu décevant, mais nous sommes encore derrière vous. Merci. Donnez, battez-vous les Ivoiriens. Je suis énervé. Ils auraient pu faire mieux, ils n'ont pas fait mieux. Là, on est découragé. Ils nous ont remis dans les calculs à nos points finis. On est venu pour calculer. On ne sait même pas si ça sera quoi la fin du calcul. C'est quoi la cause? Non, la cause là. En fait, c'est Haller qui se sent pas bien. Pour moi, hein, la cause, c'est Haller. J'aurais souhaité que Haller joue. Ça aurait fait la différence. Et puis, Gradel aussi, il était assis. Notre entraîneur, on doit lui dire d'arrêter ça. Il faut qu'ils mettent Haller au prochain match. Il a dit ça, là, va passer à la télé, non. Ça va passer à la télé. Il faut que Haller joue. Hein? Haller n'a qu'à jouer. Il ne faut plus voir s'asseoir. C'est bon, il est guéri comme ça. On ne veut plus voir ce genre de sport-là. Hein? Ouais, moi c'est un Ivoirien de paix et de main même. Frère, d'être de porter ce drapeau. Mais ce que les joueurs ont fait aujourd'hui là, c'est vraiment dit. Moi je suis pas du tout content même. Je suis même pas du tout content même, du tout même. Pas du tout content même. Comment vous jouez? On est de jouer ballon. Vous jouez pour revenir derrière. Et puis Auriel là, il n'est qu'à arrêter de jouer. Il ne connaît pas ballon, il n'est qu'à laisser ballon. Ballon là, c'est pas pour lui, il n'est qu'à laisser ballon. Il n'est pas laissé par là même du tout, mais il n'est pas laissé par là, c'est pas pour lui. Nous là, on paye Mao, on a payé Mao 60 000, on a payé Mao 60 000. On vient, moi, il devait même presser ici, mais là, il n'y a rien. Rien du tout. Je suis déçu, d'accord, mais on a croisé plus fort que nous. Mais c'est rien. Le découragement n'est pas ivoirien, comme on le dit. Le prochain match, 3-0 pour la Côte d'Ivoire. Et puis on passe. Bien sûr. On passera la coupe là, nous appartient, c'est pour nous. Donc, soyez tranquilles, n'ayez pas peur. Bah, nous-mêmes, on n'a pas peur. Ok. Déçu, comme il a dit. Déçu, mais avec un peu d'espoir, parce que le prochain match paraît plus ou moins difficile sur le papier que contre le Nigeria. Et puis, je pense que, voilà, l'éléphant a été fouetté dans son orgueil. Hein. Voilà, je pense qu'ils feront tout pour essayer de relever le niveau de jeu, créer plus de mouvements, essayer de marquer des buts, voilà, prendre des points et puis se qualifier. Voilà. Voilà, le match vient de prendre fin. 1-0. Mais moi, je suis ivoirienne. Et un ivoirien, c'est celui qui croit. C'est celui qui a la foi. La canne de chez nous, on la rapportera. Je crois vivement aux Ivoiriens. Et je demande à tous les Ivoiriens de rester soudés, de rester mais jouer et de soutenir leur équipe. Je crois, cette canne, on la rapportera. Je suis fier. Et voilà, c'est une compétition. Il peut y avoir des hauts et des bas. Et là, moi, je crois. Vive les Ivoiriens et vive la canne. La canne, c'est chez nous. J'y crois. Et toi ?